tous. Et bonsoir à toutes. Bienvenue dans la deuxième partie de ce JT de l'année 2015. Exactement, et on recommence avec le mois de juillet. La France subit un épisode caniculaire. Ah non, non, mais arrêtez, dites pas ça, j'ai pas vu cet épisode non plus, moi. Non, mais je parle des fortes chaleurs, Patrick. Ah oui? Et quand vous dites chaleur... La température. Ah oui, la température, très bien. Ouais, il a fait très chaud en été, quoi. Voilà. Et bah, c'est encore une sacrée info, ça. Ah. Hein. Et en automne? Un peu plus doux. Et en hiver? Ça s'est rafraîchi. Il n'y a pas à dire, on est au plus près de l'information. Exactement. Août. Oud. Août. Août. Ah bah j'en sais rien, moi j'étais en vacances. Vous savez très bien, je prends toujours la deuxième quinzaine. Ah oui, alors c'était bien la cano? Oh, très bien, bon, on a quand même eu 5 jours de pluie. Ah là, c'est le problème quand on part qu'une semaine, quoi. Moi je vois une fois à Noirmoutier, on n'est pas sorti du mobilhome pendant 2 semaines. Parce qu'il a plu? Non, j'avais paumé les clés. Ah. Ouais. À la fin, je commençais à bouffer les raquettes de plage. Et bah voyez, tout ce qu'on dit c'est faux parce que c'est pas si mauvais que ça. Mais on le dit pas ça, Patrick. À condition, bien évidemment, d'accompagner ça de pommes dauphines. Ou de pommes duchesses. Rapport au statut. Septembre, Claire Chazal, la grande prêtresse de l'information, est évincée du JT de 20h de TF1. Bah oui, en même temps, fallait s'y attendre aussi. Elle est plus dans le coup, elle. Non, elle n'a pas respecté les règles du journalisme, ouais. Déontologie, objectivité et accrobranche. Voilà, la règle des 3 T. Voilà. Au fait, ils vous ont rappelé TF1? Ils m'ont dit sous 15 jours. Et c'était quand? En septembre. Bah du coup, ça fait... C'est le mois des retours. Retour du sexe en Chine avec la fin de la politique de l'enfant unique. Retour de la grosse émission. Retour vers le futur. Retour des pilotes, bien évidemment, d'air cocaïne. Retour de James Bond. Retour Montparnasse. Retour de couche. J'ai pas de retour. Novembre. Décembre. C'est la fin d'une année qui aura été particulièrement éprouvante. Très longue et très dure. Allez, je peux. Allez-y, c'est Noël, c'est cadeau. Une année éprouvante, très longue et très dure. Comme ma bite. Ouais. Excusez-moi, Patrick. Mais évidemment. Je peux. Allez-y, c'est Noël, c'est cadeau. Du mois de décembre, c'est également le dernier JT de l'année présenté par Aude et Patrick. Effectivement, après avoir égrené les événements marquants de 2015, Aude Gony-Goubert sort 2 coupes de champagne, trinque avec Patrick, boit une gorgée, s'exclame « Il est pas dégueu !» Puis boit une deuxième gorgée, troisième gorgée, quatrième, cinquième. Sec. Repose sa coupe, regarde Patrick, s'enlève une crotte d'œil. Oh. Et l'embrasse. Hein? Non. Et hâte de conclure par cette phrase qui assurément restera gravée dans les annales de la télé franco-française. C'est la fin de ce JT 2015. Merci de nous avoir suivis et encouragés. C'était Aude Gony-Goubert, Patrick Chanfray et Arnaud Barbet dans l'ombre. Et surtout, n'oubliez pas de ne pas prendre de bonnes décisions et de bonnes résolutions. En effet, ça vous évitera de devoir les tenir.